Et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, installez-vous. Nous allons commencer d'ici quelques minutes pour vous présenter donc l'association React et tout ce qui tourne autour des comportements tyranniques. Donc installez-vous, j'espère que vous avez pris de quoi boire, manger éventuellement, prendre des notes. Évidemment, dites-moi au passage si vous m'entendez bien pour le moment. Hop. Donc je vais vous laisser arriver petit à petit et on va regarder tout ça. Alors, donc je pense qu'au niveau du son, c'est OK. Normalement, pour la vidéo, c'est OK aussi. Bonjour à tous, bienvenue. Installez-vous. N'hésitez pas à faire un petit coucou pour savoir si vous êtes bien là, si vous m'entendez, si tout fonctionne d'un point de vue logistique. Bonjour, bonjour. Je vois que vous arrivez petit à petit. Hop. Bonsoir Brenda, bonsoir Maïlis. Donc c'est OK, vous m'entendez? Parfait, super. OK, génial. Donc si tout fonctionne, donc installez-vous. On va commencer d'ici 3-4 minutes, le temps que les gens arrivent. Bonsoir Lucas, la VOD sera accessible. Oui, elle sera entièrement disponible sur à la fois le site. Sur la page Facebook et elle sera disponible également sur la page YouTube juste après. Donc oui. Bonsoir Sarah. Donc bienvenue. Ok, donc ce soir on va parler de l'association React avec Susanna Rivas, la vice-présidente, qui nous va venir nous présenter justement l'association, qui va venir nous présenter un petit peu. Ce que sont les comportements tyranniques et toutes les actions justement qui sont menées par justement l'association aujourd'hui. Bonsoir Maëva. D'accord. Je la fais encore patienter 2 petites minutes et après on est parti. Donc, bienvenue, installez-vous. Essayez de faire en sorte que vous ayez la disponibilité de pouvoir venir poser vos questions. Évidemment, on est là justement pour échanger, on est là pour justement voir comment on peut venir aider des parents, mais également des professionnels qui sont confrontés justement à des familles où il y a des comportements tyranniques, les parents qui ont des enfants avec ces comportements qui sont extrêmement difficiles à gérer aujourd'hui, et donc de pouvoir justement répondre à ces questions au travers à la fois de la présentation de l'association, mais également justement des aides qui sont disponibles. Bonsoir Evelyne, bonsoir Pamela, installez-vous. On va commencer d'ici une petite minute. Bonsoir Elisabeth, bienvenue. N'hésitez pas évidemment, le but c'est que ce type de live soit vu par le maximum de parents qui seraient en demande. Donc n'hésitez pas à partager évidemment cette présentation pour que les personnes puissent venir poser leurs questions en direct ce soir autour justement du comportement tyrannique, enfin des comportements tyranniques de l'association React pour justement vous présenter tout ça. Bonsoir Abdelweb, bienvenue. Bien, alors, hop, si je passe là, normalement, on nous voit. Donc, hop, normalement, vous voyez donc Susanna. Alors, bonsoir Susanna. Bonsoir Bonjour. Sébastien, bonsoir Ah, à mince. tous, toutes. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien Susanna, justement, pour voir un petit peu. Si au niveau technique ça fonctionnait de votre côté, comme ça, au moins, on sait si tout est bon pour vous. Donc merci évidemment, c'est OK Brenda, super, magnifique.
Donc merci évidemment déjà à tous les likes, à toutes les participations par rapport justement à tout ça. Donc ça fonctionne, on est ok. Magnifique. Eh bien écoutez, je vous propose bah, qu'on débute hein, tout doucement. Bonsoir Véronique. Et bonsoir Tatiana, bonsoir. Merci Caroline, super. Écoutez, moi je vous propose qu'on commence. Merci encore une fois, Susanna, d'avoir accepté de participer et de venir justement présenter les travaux justement que vous faites, la communication que vous faites avec l'association React. Et ce que je propose éventuellement, c'est que tu commences par te présenter. Qui es-tu en tant que vice-présidente de l'association React? Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et comment éventuellement t'en es arrivé justement à rentrer dans l'association React? Oui, ben je commence déjà par te remercier, Sébastien, de cet accueil et de cette possibilité de présenter notre association et notre problématique, qui est encore mal connue et peut-être un sujet tabou encore. Et alors effectivement, je suis Susanna Rivas, je suis vice-présidente de cette association qui a été créée par deux familles toulousaines, donc Marion Fontalba et son compagnon. Marion, c'est la présidente de notre association. Et Laura Rousseau, secrétaire, et son compagnon Jérémy Roch aussi, qui est notre trésorier. Donc ces deux familles se sont rencontrées à Montpellier dans un groupe de guidance parentale animé par le docteur Nathalie Franck, dont on va parler après des groupes de guidance parentale, etc. Donc ces familles, confrontées au comportement tyrannique de leur enfant, se sont rencontrées donc à Montpellier. Et suite à la formation qu'elles sont suivies avec Nathalie, elles ont eu la très bonne idée de fonder cette association, de la créer en décembre 2018. Alors, moi-même, je suis arrivée avec mon mari aussi dans l'association, lors de la création, aussi grâce à l'information que Nathalie, justement, nous avait apportée. Et depuis, voilà, l'association se développe petit à petit. Et voilà, je suis devenue vice-présidente. Donc, quel est l'objectif de cette association, peut-être? Pour démarrer, cet objectif, il est double. En fait, la première chose qu'on souhaiterait, c'est de pouvoir soutenir les familles qui sont confrontées au comportement tyrannique de leur enfant, de leur adolescent. Parfois, on a aussi des familles avec des jeunes majeurs, c'est pas juste des enfants. En fait, l'âge des enfants de nos parents membres est compris entre 2 ans et 34 ans, donc voilà, c'est très large. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est de soutenir ces familles, de leur offrir un lieu d'écoute, d'accompagnement, ou un lieu qui est bienveillant, on ne juge pas les parents, et on essaye de les accompagner aussi pour qu'ils puissent trouver des solutions, ils puissent avancer avec leur enfant. Et le deuxième volet sur lequel on travaille aussi au même titre que sur le premier, parce qu'on a du début, hein, on a compris dès le début qu'en fait on ne peut pas avancer seul en tant que parent, et qu'on avait besoin des professionnels. Donc le deuxième volet concerne vraiment les professionnels. On essaye de collaborer avec un maximum de professionnels. On le fait avec toi aujourd'hui. Et en fait, voilà, pour déjà sensibiliser à la problématique, parce que je l'ai dit au début, hein, c'est une problématique qui est mal connue des professionnels aussi. Et donc pour mener des actions de sensibilisation, des communications, et aussi pour créer un réseau de professionnels sensibilisés ou même formés à la problématique, pour pouvoir aussi proposer aux parents, quand ils sont en recherche d'un professionnel, un peu partout sur le territoire national, pouvoir leur proposer un professionnel qui puisse les accompagner après. Suite à la création de ce réseau, du coup, on organise depuis... Ça va être en 2023, la troisième année, une rencontre entre professionnels, une rencontre annuelle. Et du coup, ça permet, voilà, de réunir tous ces professionnels autour d'une journée pour qu'ils puissent discuter entre eux. Et en fait, ce sont des professionnels, ce sont pas seulement des professionnels, voilà, des psychiatres ou des psychologues, ou psy, etc.
C'est aussi beaucoup de professionnels du secteur social, des travailleurs sociaux, des services sociaux, parce qu'on en a besoin dans notre problématique, on va le voir, et aussi des professionnels du monde de la justice, des professionnels du monde scolaire aussi, même si le scolaire, c'est pas notre problématique première, parce qu'on va le voir, ces enfants à l'extérieur, souvent, pas toujours, mais souvent, arrivent à s'adapter. Donc voilà un peu Pour poser le cadre, poser les pour bases, le cadre de un petit peu l'associatif. ça. Ok, Exactement. un grand merci. Je vais dire bonsoir évidemment à toutes les nouvelles personnes qui sont là, Sarah, Nanou, Nadège, bienvenue. Alors n'hésitez pas évidemment dans le chat à poser vos questions. Donc ici, c'est vraiment l'idée de venir vous présenter l'association React. Donc vraiment sur cette idée, vous allez le voir, justement, Susanna va nous présenter juste après la question de ce qu'on entend par comportement tyrannique notamment. Donc c'est vrai que voilà, il y a un versant à la fois effectivement professionnel, mais aussi d'accompagnement de parents, de pouvoir guider un petit peu les gens. Donc n'hésitez pas évidemment, si vous avez des questions par rapport à tout ça, à venir justement poser vos questions. Susanna est là pour y répondre un maximum ce soir. Bonsoir Roxane, bonsoir Catherine, bienvenue, bonsoir Amandine. Donc on voit que les gens arrivent petit à petit, donc à mon avis, les premières questions vont pas tarder, Susanna. Donc prépare-toi en général, quand il commence, il ne s'arrête plus. Donc voilà. En attendant, peut-être évidemment, ces questions, mais est-ce que tu peux nous faire effectivement une petite présentation? Prends ton temps, évidemment. Tu as tout le temps pour le faire. Il n'y a pas d'urgence, bien sûr, par rapport à ça. Le but, c'est justement que ça parle au maximum de gens. Donc, mais une petite présentation, justement, de ce que c'est un comportement tyrannique aujourd'hui, puisque c'est vrai que ça ne rentre pas dans les classifications diagnostiques. Et donc, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser, parce que c'est vrai que moi, j'ai eu pas mal de parents qui pouvaient poser la question, oui, mais qu'entend-on par comportement tyrannique? Parce que on n'est pas forcément dans un trouble de l'opposition, on n'est pas forcément dans un trouble des conduites, et on le retrouve aussi potentiellement dans le TDAH ou dans d'autres troubles également. Donc évidemment, est-ce que tu peux justement nous faire une petite synthèse de ce que c'est un comportement tyrannique aujourd'hui? Oui. Alors, peut-être pour démarrer, on parle vraiment du comportement tyrannique. Et nous, au niveau de l'association, en tout cas, on ne parle pas d'enfant tyran, on ne parle pas d'enfant tyrannique. Je tiens à démarrer par ça parce que c'est important pour nous en tant que parents, parce qu'on sait que ce terme tyran, tyrannique peut être un peu, voilà, compris de façon un peu négative des fois, même s'il décrit parfaitement le comportement de ces enfants auprès de leur famille. Mais bon, voilà, je tiens à démarrer par là. On parle vraiment du comportement de l'enfant et nous, on se bat en tant que parents contre ce comportement et jamais contre l'enfant. Une fois ça s'est posé, et en fait, le comportement tyrannique se définit avant tout par l'inversion, en fait, de la hiérarchie familiale. C'est l'enfant qui va prendre le pouvoir au sein de la maison. Et les parents vont se retrouver entravés dans la prise de décision, d'action. En fait, disons que tout le quotidien de la maison tourne autour du comportement de cet enfant. Évidemment, c'est pas quelque chose qui se produit d'un jour sur l'autre, quoi. C'est une dynamique qui s'installe peu à peu au sein du foyer. En fait, c'est important aussi peut-être préciser qu'on n'est pas dans les cadres d'un contexte de carence éducative, du laxisme, de ce que l'on entend parler parfois dans les médias, de l'enfant roi, tout ça. Ce n'est pas vraiment ça. Les professionnels qui suivent cette problématique depuis un moment, comme par exemple le docteur Nathalie Franck, au contraire, on a observé que ce sont des parents plutôt attentifs aux règles éducatives, au cadre éducatif, au bien-être de l'enfant, etc. Ce n'est pas des parents laxistes, quoi. C'est seulement que ces enfants ont des fragilités et des spécificités et qui font que peu à peu, en fait, ce comportement va s'installer au sein du foyer. Donc, du coup, ce sont des enfants qui présentent des troubles. T'as évoqué les TOP, le TDAH. En effet, ce comportement relève on appelle une double dimension, donc une dimension de dysrégulation émotionnelle. Et là, on peut retrouver plusieurs troubles, dont le TDAH.
Le TOP, le trouble de constitution avec provocation, des troubles de l'humeur, le TDDE, voilà. Il y a plusieurs troubles qui peuvent être trouvés chez ces enfants, mais il y a aussi, et ça c'est très important pour vraiment comprendre ce que c'est le comportement tyrannique, il y a l'autre dimension, on dit la dimension de l'anxiété. Donc ce sont des enfants qui vont être très anxieux. Ça peut être une anxiété généralisée, une anxiété sociale, ça peut être des TOC, des enfants qui peuvent présenter des TOC, et ça peut être aussi des troubles du spectre de l'autisme. Ce sont aussi des enfants, et ce ne sont pas des troubles, mais ce sont en général des enfants très intelligents. En fait, nous, on a des statistiques internes au sein de l'association grâce à des questionnaires que nos parents membres remplissent quand ils arrivent dans l'association. Et parmi plus de 600 parents membres, en fait, qui ont pu. Après, il y a des parents qui ont déjà fait un test WISC pour leur enfant. Et en fait, plus de 80% de ces enfants qui ont déjà fait un test WISC quand ils arrivent dans l'association présentent un profil cognitif où voilà, le QI est supérieur, égal ou supérieur à 130. Donc, bon, ce qu'on dit des enfants à haut potentiel intellectuel. Donc, en fait, ça, c'est pas un trouble du tout, c'est pas un problème. Seulement, ces enfants vont utiliser leur intelligence aussi voilà, mener un peu la vie dure, en faire la vie dure à ses parents. En fait, pourquoi je dis que l'anxiété, les troubles anxieux de ces enfants sont importants pour la compréhension du comportement tyrannique? En fait, du fait de l'anxiété, en fait, ces enfants vont faire beaucoup d'efforts à l'extérieur du foyer pour compenser ces difficultés de dysrégulation émotionnelle. Ils vont passer la journée à l'extérieur, à l'école, au collège, peu importe, voilà, essayer de garder les cadres. Ils ne peuvent pas supporter que ces difficultés soient connues de l'extérieur, que la violence qu'ils peuvent manifester à la maison soit connue. Donc, et du coup, souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent, ce sont des enfants qui se tiennent bien à l'extérieur, qui sont souvent des enfants, entre guillemets, modèles. Et quand voilà, on pose la question à l'extérieur, mais non, mais tout va bien. Au contraire, ce sont des enfants très intéressants, très charmants, très, très, voilà. Donc, du coup, quand ils rentrent à la maison, voilà, ça fait, pendant la journée, ça fait ce qu'on dit, une espèce d'effet de cocotte minute. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Et rentrer à la maison, cet enfant, il s'est contenu toute la journée, mais du coup, va utiliser ses parents comme un punching ball, quoi. Voilà, il va déverser ses émotions avec ses parents. Et c'est ça qui, après, c'est difficile pour les parents pour faire comprendre à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, on le voit pas. Bon. Donc, une fois voilà, qu'on a vu ce qui est à la base de ce comportement, on peut peut-être parler de comment ça s'installe peu à peu au sein des foyers. Parce que, en fait, ces difficultés de dysrégulation émotionnelle apparaissent vraiment dès la petite enfance. Ça peut arriver aussi suite à un traumatisme, mais en général, quand on demande aux parents, ces difficultés sont présentes vraiment parfois, même nous, on a des parents, des bébés qui nous contactent, qui sentent déjà qu'il y a un truc qui va pas avec leur enfant. Bon, et en fait, je l'ai dit tout à l'heure, hein, en général, ce sont des parents qui sont assez attentifs aux besoins de l'enfant. Donc, imaginons, je donne juste un exemple peut-être pour qu'on puisse mieux comprendre. On a dit que, voilà, ce sont des enfants anxieux, peut-être par exemple, ce sont des enfants qui vont avoir du mal à s'endormir tout seul. Donc, comme tout parent, parce que ça, c'est naturel chez un parent. Quand l'enfant va s'endormir tout seul, le parent va être là, va essayer de l'accompagner. Et petit à petit, un enfant typique, on va dire, ou en tout cas pas un enfant qui n'a pas cette problématique, va apprendre petit à petit à lâcher son parent pour s'endormir tout seul. Seulement, ces enfants qui ont des fragilités particulières, comme on l'a dit, en fait, vont voir son parent qui reste avec eux pour s'endormir. Et du coup, tout ça va renforcer en fait l'anxiété. Et peu à peu, une dynamique va s'installer qui va faire que l'enfant va emporter le parent dans ses tocs, dans ses rituels, dans ses. Et en fait, c'est comme ça que la toute-puissance de l'enfant
va s'installer peu à peu. Donc, il faut, dans ces situations comme ça, être très attentif en tant que parent pour ne pas rentrer dans ce qu'on appelle l'accommodation, voire la hyper-accommodation aux difficultés de l'enfant. L'accommodation du parent part d'une bonne volonté, de ce qu'on fait. D'ailleurs, les parents d'enfants à comportement tyrannique, quand il y a une fratrie, ils se comportent pareil avec la fratrie, mais là, il n'y a pas de problème. Et parfois, par exemple, très souvent d'ailleurs, je dirais, la fratrie peut peut-être présenter un TDAH, mais comme il n'y a pas le côté anxieux, mais du coup, ça va pas donner lieu aux mêmes difficultés. Donc, en fait, il faut être attentif à cette hyperaccommodation parce que quand on se fait embarquer dans ça et on est dans cette problématique, mais du coup, ça peut prendre des proportions. Et en fait, par la volonté du parent, finalement, d'accompagner son enfant, de l'éviter, la crise, l'anxiété, etc., on ne fait que l'aggraver. Et ça, il faut en être conscient. Et la méthodologie de résistance non violente, on le verra après, est basée aussi sur la prise de conscience de tous ces rituels, tous ces petits gestes d'accommodation que s'installent au sein de la famille au fil du temps. Ok, donc c'est extrêmement intéressant de voir un peu la dynamique qui va s'installer justement, la place, pas de cette question, parce que ça c'est souvent important de bien s'assurer que les personnes entendent bien ça, ce n'est pas la faute des parents, hein, attention, hein, parce que c'est vrai que c'est des discours parfois qu'on peut entendre à gauche, à droite, c'est pas la faute des parents, mais ils font partie de cette dynamique au final qui s'installe malgré eux. C'est un petit peu ça qui est important. Mais effectivement, je vais rebondir sur la question de Sarah qui pose justement la question de la différence entre un comportement tyrannique et justement un trouble de l'opposition ou un trouble des conduites. Parce que c'est vrai que moi, dans ce que tu m'expliques, j'ai l'impression que, effectivement, c'est pas la catégorie, c'est vraiment, on est centré sur le comportement, on est sur l'aspect fonctionnel, c'est-à-dire d'avoir un trouble de l'opposition et fonctionnellement, il peut avoir certains comportements qui sont justement tyranniques. Mais dis-moi si je me trompe, parce que évidemment, moi, je suis pas un spécialiste, hein, de cette question-là, donc n'hésite pas. Alors, tout à fait. Alors, comment dire? Le comportement tyrannique, c'est ce que je dis tout au début, est vraiment défini par l'inversion de la hiérarchie familiale. Alors, même des parents qui sont dans l'association, parfois, très souvent même, nous posent cette question de savoir quand est-ce qu'on est, dans ce profil de comportement. Parce qu'en fait, bon, on n'a pas encore parlé des violences. Il y a différents types de violences et en fait, même les parents parfois ont des difficultés et c'est en ça que la guidance est intéressante aussi parce que elle permet aux parents de repérer les différentes formes de violences. C'est pas, je veux parler des différentes formes de violences juste ensuite, mais pour dire que c'est pas ni le niveau de violence, ni le niveau d'opposition, ni le niveau de ni si ça se passe à l'extérieur ou pas, voilà, ce n'est pas ça qui définit le comportement tyrannique, c'est vraiment l'inversion de la hiérarchie familiale. Ce sont des parents qui peuvent pas prendre des décisions à la maison, qui peuvent pas décider s'ils vont parfois en vacances ou où ils vont en vacances. C'est l'enfant qui décide de tout, en fait. Et c'est ça, c'est pas une simple opposition, une simple. Je dis pas que c'est simple d'avoir un enfant avec un top, mais il y a le côté anxieux qui vient s'en rajouter à ça. Le top va avoir, voilà, certainement, ce sont des enfants avec des difficultés de régulation émotionnelle. C'est très difficile pour les parents. Mais là, je dirais qu'on est vraiment dans une comorbidité des différents troubles qui rend la tâche encore plus difficile pour les parents, à tel point que le parent n'est plus à sa place au sein du foyer. Et même, je dirais, par exemple, quand on parle des différentes formes de violences physiques, psychologiques, des violences verbales, il y a des parents qui se font insulter, il y a des parents qui se font taper par leurs enfants, mais ils se sentent pas en dehors de leur place en tant que parents. Donc, on n'est pas dans le comportement tyrannique, même quand il y a un enfant qui peut taper son parent. Donc, c'est ça qui est important. Ce sont vraiment des parents qui peuvent plus décider de ce qui se passe chez eux. Et en fait, ça impacte non seulement les parents, ça impacte aussi la fratrie. Donc, et du coup, la fratrie aussi, petit à petit, va s'hyper-accommoder. C'est la fratrie de ses enfants, en général, elle est effacée. En fait, c'est l'enfant qui décide qu'est-ce qu'on mange, si on vient ici, qui la place sur le canapé, qu'est-ce qu'on regarde à la télé, tout.
Et si la famille ne se plie pas aux exigences de l'enfant, mais ça, c'est la crise. Et c'est pas la crise. Là, on parle pas de des caprices, on parle pas de des enfants qui sont voilà capricieux. Que... Non, non. Là, on parle de plusieurs crises par jour, d'une durée là très très longue et d'un niveau de violence très important. Donc, ce sont des enfants qui vont insulter, qui vont parfois, voilà, même frapper ses parents, leurs parents, vont casser des objets à la maison, mais quand je parle des objets, ils peuvent casser les murs, hein. Voilà, mais je dirais, c'est vrai aussi que, comment dire, la violence physique, c'est ça qui impressionne toujours les gens, et c'est normal parce que c'était quand même très désagréable, mais je dirais que quand on discute avec les parents, en fait, les parents, ce qui est plus difficile à gérer au quotidien pour eux, c'est la violence psychologique, pardon. Ce sont des enfants qui vont harceler leurs parents en permanence, mais H24, tout le temps, et avec un mépris, et ça, voilà, sur la durée, c'est très usant, bien plus, je dirais même, que la violence physique. Donc, voilà, on est pas vraiment dans les top points ou dans les TDAH points, même si on sait bien hein, qu'un TDAH, il y a souvent, très souvent aussi des comorbidités. Mais nous, par exemple, au niveau de l'association, nous avons aussi des collaborations avec d'autres associations qui travaillent voilà, sur le TDAH ou l'HPI ou voilà, d'autres troubles ou des caractéristiques qui sont en lien avec le comportement tyrannique. Et on voit bien, par exemple, avec les associations TDAH, que la problématique n'est pas la même, sans rien enlever à la pratique du TDAH, hein, bien sûr. Mais ces parents n'ont pas peur de leur enfant. Et là, on peut peut-être parler, pour répondre à Sarah, je crois que c'était son nom, des 100 questions qu'on pose aux parents pour repérer le comportement tyrannique, en fait. Parce que, justement, ça permet, en fait, c'est pas un diagnostic, tu l'as très bien dit. Donc c'est pas parce que, voilà, parce qu'on répond oui aux 100 questions, ou c'est pas parce qu'on répond non à une des 100 questions, voilà. Mais ça donne une idée, ça permet d'orienter ses parents. Donc les 100 questions qu'on pose à ses parents quand ils arrivent dans l'association pour voir si leur situation peut relever effectivement d'un comportement tyrannique. La première question, c'est de savoir si les parents ont peur de l'enfant ou de ses réactions. C'est des parents qui vivent dans la peur. Donc, je ne pense pas que tous les parents d'un enfant top vivent dans la peur. Et quand je dis peur, c'est avoir la boule au ventre tous les soirs quand on rentre du travail. Oui, Vraiment. dans le trouble de l'opposition, on n'est pas dans ce mécanisme-là, effectivement. On va Voilà. avoir des parents qui vont être anxieux, et en fait, ils vont pas avoir peur de l'enfant, ils vont sans doute avoir peur de s'engager dans une activité avec l'enfant, parce qu'ils ont peur que ça se passe mal. Mais effectivement, comme tu le dis très bien, on n'a pas cette inversion, en fait. C'est des parents qui viennent en consultation et qui viennent en guidance pour le trouble de l'opposition, ils sont pas dans ce cadre-là. C'est encore eux qui ont le contrôle, ils savent pas toujours comment faire, ça c'est vrai, mais ça veut pas dire qu'une fois de temps en temps, il n'y a pas un comportement qui leur passe au-dessus et qui n'arrive pas à le gérer, mais c'est pas en permanence. Ils sont face à de l'opposition, ils n'arrivent pas à gérer cette opposition, cette provocation, mais effectivement, le système classique familial est quand même maintenu. Effectivement, dans ce que tu nous dis, c'est vraiment, on a cette inversion avec évidemment potentiellement de la violence, de l'agressivité, qu'elle soit verbale, physique, mentale, effectivement, qui est présente. Et ça, c'est vrai que dans le trouble de l'opposition, on n'est pas encore dans ce degré-là. Et clairement, dans le trouble des conduites, parce que si on veut faire le lien, en fait, on est au-delà de cet aspect-là dans le trouble des conduites, puisque là, vraiment, trouble des conduites, pour faire un petit résumé, vous êtes vraiment dans cette question d'agressivité, certes, mais pas que, puisqu'on a les transgressions de lois sociales, effectivement, et qui dépassent largement la famille, puisqu'on a souvent les fugues, les mensonges, on a souvent aussi potentiellement la destruction de matériel, mais pas que à la maison, on va avoir aussi potentiellement mettre le feu, et ainsi de suite, donc on est encore beaucoup plus loin dans ce cadre-là. Donc j'ai l'impression, en fait, que le comportement tyrannique, ça serait un petit peu un entre-deux, mais spécifique, c'est-à-dire que c'est pas l'évolution d'un trouble d'opposition, c'est pas un sous-trouble des conduites, c'est vraiment quelque chose qui va se situer dans les troubles du comportement, évidemment, et qui, aujourd'hui, en fait, peut-être qu'on n'a juste pas les connaissances encore pour être, enfin,
connaissance à suffisamment approfondie, suffisamment d'études sur le sujet, pour peut-être le définir autant qu'un diagnostic comme le trouble de l'opposition. J'ai l'impression qu'on est un petit peu peut-être cet entre-deux-là à un moment donné. Ça, il y a aussi, il y a ça, je pense, et il y a aussi le fait que, en fait, ce sont plusieurs diagnostics qui se cumulent, qui ont comme résultante ce profil de comportement. Donc, peut-être pour finir avec les 100 questions, si ça peut aider les personnes qui nous écoutent, voilà, c'est cette peur de l'enfant, ou pas que de l'enfant tout court, hein, vous savez, des réactions de l'enfant plutôt. Ce sont des parents en général qui ont renoncé à beaucoup de choses du fait des troubles de leur enfant. Donc, c'est voilà, des mamans qui arrêtent de travailler, je sais pas, des parents, voilà, qui partent plus en vacances parce que ce n'est pas possible. Voilà, c'est des parents qui sont entravés dans la prise de décision à la maison. Ils ne peuvent pas décider par eux-mêmes sans prendre en compte, ce que l'enfant va dire, ce que l'enfant va faire, la réaction de l'enfant. C'est des enfants qui, des parents, pardon, qui ont honte. Donc, on demande aux parents s'ils ont honte. Bon, il y en a qui ont un peu dépassé ce niveau quand ils ont déjà pris connaissance de l'association ou ont suivi la guidance. Et bien sûr, est-ce que votre enfant est violent avec vous, quoi? Si un enfant qui est violent comme ça, de façon quasi spécifique à la maison, il y a de fortes chances qu'on soit dans le cadre d'un comportement tyrannique. Donc en fait, quand les parents répondent à ces questions à l'affirmatif, voilà, il faut peut-être se poser la question. Alors, je préviens, il y a un méga orage chez moi. Si ça coupe, je suis désolé. Je préviens déjà à l'avance, on ne sait jamais. Il y a une question d'ailleurs de Virginie, parce que, elle se sent un peu perdue et ça vaut peut-être la peine de réajuster effectivement. Elle dit, ben voilà, d'un côté, vous dites qu'on ne doit pas culpabiliser, que c'est pas notre faute, et de l'autre côté, avec l'exemple de l'enfant qui n'arrive pas à dormir, ben on a l'impression que c'est l'attitude du parent qui peut être liée au comportement tyrannique. Alors, le comportement tyrannique, à la base, c'est la conséquence des troubles. Ça c'est clair. Ça, il faut. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les médecins qui suivent cette problématique. Et le consensus, tous ces enfants ont des troubles. Donc ça, c'est la base du comportement. Après, c'est clair que l'attitude parentale classique face à ces enfants qui ont des fragilités particulières, sur la durée, va se retourner contre eux. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la faute des parents. Parce que, voilà, parce que, en fait, comme je le dis tout à l'heure, ces parents, avec la fratrie, par exemple, vont avoir la même attitude et ça ne va pas causer ces problèmes. En fait, c'est en ça aussi que c'est très culpabilisant pour les parents, et ça, il faut surtout éviter, parce que ces parents sont déjà assez jugés partout et mal compris. Il faut pas en rajouter, voilà, et dire que c'est de leur faute. C'est juste leur dire que la façon classique de faire pour un enfant lambda, ne va pas fonctionner avec ses enfants et qu'il va falloir faire autrement. Et du coup, c'est en ça que la méthode REACT va être, de résistance non violente, va être utile, parce que ça va permettre aux parents de se retirer de cette fonction de punching ball dont on a parlé tout à l'heure. Il va plus se rendre disponible pour l'enfant, pour qu'il puisse évacuer, l'utiliser. En fait, le parent devient un objet pour que l'enfant, pardon, puisse évacuer ses émotions. Donc, une fois que le parent comprend ça, et qui fait la guidance, qui fait toute cette étape de psychoéducation qui permet de repérer l'hyperaccommodation, de repérer la violence aussi, parce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent vers nous et nous disent non, mais mon enfant n'est pas violent. Et en fait, quand ils commencent à décrire leur quotidien, c'est bien sûr, c'est de la violence, mais il y a beaucoup de parents qui croient que c'est de leur devoir, quoi, de tout supporter, de tout, voilà, de tout subir de la part de leur enfant. Et c'est, voilà, donc il y a aussi ça, hein, dans la psychoéducation de la méthode. Mais en fait, c'est pas la faute des parents, dans le sens, les parents n'ont rien fait de mal. C'est juste que la façon classique de faire ne fonctionnera pas avec ces enfants et ça va juste aggraver les difficultés. Donc, voilà, la guidance va permettre aux parents d'apprendre à faire autrement avec cet enfant, de se retirer de cette place de punching ball pour que l'enfant, par lui-même, arrive à retrouver
des stratégies autres que la violence pour faire avec son trop plein d'émotions. Voilà, mais ce n'est vraiment pas la faute des parents. Non, c'est ça, c'est en guidance, moi ce que j'utilise souvent, c'est que quand on comprend pas le fonctionnement de son enfant, ben, en fait on a des pratiques souvent qui sont pas adaptées au fonctionnement de l'enfant, et donc des fois on fait de l'essai-erreur, en fait, on est parfois incohérent, et donc ça c'est par manque souvent de compréhension de ce fonctionnement auquel on n'est pas habitué, que des fois on a des petites montées en pression comme ça, et qui, quand elles sont pas comprises tout de suite, ben, elles tournent, et elles augmentent petit à petit jusqu'au moment où effectivement on se rend compte que ça devient difficile à gérer vraiment au quotidien, et ça c'est vrai que c'est assez compliqué. Écoute, on a quelques questions aussi qui sont qui reviennent sur, comme tu disais justement, que dans l'association vous avez des personnes qui vont en gros, enfin des personnes concernées de 2 à 35 ans à peu près, c'est ça que tu disais, 2-34 ans. Est-ce que vous avez une vision de l'évolution justement des comportements tyranniques à l'âge adulte? Est-ce qu'il y a un regard déjà là-dessus, comment, vers quoi ça évolue aujourd'hui, ou on n'a pas encore assez de recul par rapport à ça? On n'a pas encore assez de recul par rapport à ça. Et même, c'est une question qui est souvent posée. Bah, surtout, ses parents ont surtout peur du devenir de ses enfants. Et du coup, voilà, on aimerait bien avoir une réponse. En fait, on peut donner des réponses de feeling, on peut donner des réponses des impressions. Mais nous, au sein de l'association, en fait, on préfère se baser sur des données chiffrées tant qu'on peut faire. Peut-être, il y en a qui ont vu que voilà, on publie parfois des petits articles avec des statistiques, on est en train de préparer quelques-uns qui vont bientôt sortir. Donc on n'a pas des chiffres parce que déjà il y a pas une prévalence connue de cette problématique dans la population, c'est pas étudié. Et, par exemple, Nathalie Franck nous mène les groupes que je pense depuis 2016, donc c'est assez récent quand même. Et elles-mêmes, hein, au CHU de Montpellier, ils sont très intéressés par ces questions. Alors, ce qu'on peut dire par contre, voilà, j'ai pas des chiffres à donner, je peux pas dire, ben, tel pourcentage d'enfants qui ont présenté un comportement tyrannique petit à l'âge adulte sont comme ci ou comme ça, on n'en a pas. Par contre, ce qu'on peut dire dès l'expérience que nous avons au sein de l'association, parce que quand même aujourd'hui, on est quasiment 800 familles adhérentes depuis la création. Et aussi, on collabore beaucoup avec Nathalie, qui suit beaucoup de familles aussi au niveau de ces groupes de guidance. En fait, nous, ce qu'on peut dire, c'est que malgré toutes les difficultés des situations que les familles traversent, parfois très, très, très dures, les familles qui arrivent à mettre en place la méthodologie, à se tenir sur la durée, à appliquer cette guidance, on voit des évolutions positives chez ces enfants. Et même dans des cas des enfants qui ont fini placés en foyer de l'aide sociale à l'enfance, des choses comme ça, on voit de changements de comportement. Parce qu'en fait, justement, c'est la question de l'éloignement, hein, qui revient très, très souvent lors de nos réunions mensuelles, qui permet parfois, quand tout le reste n'a pas fonctionné, hein, je le dis bien, hein, c'est pas l'option numéro un que de placer son enfant, bien sûr. Mais quand, malgré le diagnostic, la médication, la mise en place de la méthodologie, tout, rien n'a fonctionné, même dans de ces cas, hein, où vraiment c'est très difficile pour les familles, on voit vraiment des évolutions positives. En fait, disons que la seule voie de sortie pour ces familles confrontées à ce comportement, c'est vraiment que de mettre en place une autre façon de faire avec cet enfant. Et pour donner l'opportunité à l'enfant de se confronter par lui-même à ses difficultés et de trouver par lui-même des solutions autres que la violence. Et ça, quand on arrive à le faire, et je ne dis pas que c'est facile, on voit quand même un grand nombre de familles, hein, qui arrivent à s'en sortir, ou en tout cas, où ça va beaucoup mieux. Et même, encore plus important, même si on n'a pas de données sur le devenir de l'enfant, on a quand même des données sur le devenir des parents. Et dès lors, parce que voilà, on a défini le comportement tyrannique comme l'inversion de la hiérarchie. Ce sont des parents qui sont plus à leur place à la maison. Par contre, on a des données chiffrées sur les effets de la guidance au niveau de cette inversion de la hiérarchie. Et ça change complètement une fois que les parents commencent à appliquer la méthodologie. Ils sont capables
de se repositionner au sein de la maison. Et rien que ça, c'est déjà un grand pas vers du mieux, quoi. Donc voilà, c'est un peu la réponse que je peux faire avant d'avoir des données un peu plus solides là-dessus. Mais c'est vrai que si on fait entre guillemets, le parallèle encore une fois avec les troubles du comportement, on sait qu'aujourd'hui, là où quand c'est étudié, hein, vraiment, c'est des choses qui peuvent, qui sont appuyées aujourd'hui, notamment en troubles d'opposition, troubles des conduites. Globalement, on sait que les troubles du comportement, s'ils ne sont pas pris en charge, en général, ça a plutôt tendance à monter, mais dès qu'on arrive à intervenir, à prendre en charge les choses, on a tendance justement à effectivement voir des évolutions positives dans le cadre des troubles du comportement. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pour quasiment tous les troubles, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment l'accompagnement et la prise en charge qui va faire la différence. Évidemment, globalement, la majorité des troubles, s'il n'y a aucune intervention et qu'on laisse couler, l'évolution est très rarement positive, hein. Enfin, je veux dire, sinon ça reste un peu compliqué, mais c'est vrai que aujourd'hui on a pas mal de choses effectivement là-dessus. Alors, très intéressant justement, Patricia, Sonia qui nous disent, ben voilà, avez-vous des lectures, des conseils pour commencer à appliquer cette fameuse méthodologie, comment se former à la méthodologie? Et donc je te propose éventuellement ben, que tu nous parles justement de cette méthodologie et donc de la résistance non violente au final dans ce cadre-là. Comme ça, on va pouvoir faire passer ce message-là. Donc évidemment, la résistance non violente, elle, par contre, elle est étudiée, effectivement, les effets de la résistance non violente sont étudiés d'un point de vue justement revue de littérature et autres. Donc on a des données, effectivement, sur cet effet, comme tu le disais, hein, sur l'inversion notamment et surtout ben, le stress parental, le sentiment de compétence parentale aussi, on a toutes ces réflexions-là qui sont en tête. Donc, ben, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé justement de cette fameuse méthodo autour de la résistance non violente? Oui, tout à fait. Alors pour la question sur de support pour s'en informer tout ça, n'hésitez pas à visiter notre site internet hein, association-react.com où vous allez trouver voilà tout ce qui la, voilà les informations sur l'association, les actions, le comportement tyrannique, la méthodologie et aussi des références bibliographiques sur voilà. Il y a, bien sûr, en France, le livre que Nathalie Franck a écrit avec Aïe Momer, et on va revenir sur Aïe Momer, qui est à la base destiné aux professionnels, qui décrit la guidance, mais qui est tout à fait accessible aux familles et qui est vraiment la Bible des parents d'enfants en comportement tyrannique. Alors, cette méthodologie, en fait, vient s'appliquer. Vraiment, quand les parents ont tout essayé, en fait, ces enfants ne sont pas sensibles ni aux réprimandes, ni aux menaces, ni aux punitions. Donc, en fait, tout ça va faire escalade réciproque, hein. Ça ne va faire que monter la violence parce que ce sont des enfants qui n'ont pas de limites. Et quand les parents vont se positionner, c'est moi le parent, c'est moi qui ai raison, tu t'étais, machin, ça va pas marcher. Ça va amener à la soumission du parent parce que, comme je dis, ça monte, l'enfant n'a pas de limites, mais le parent a ses propres limites parce que, bon, le parent ne va pas, je sais pas, planter un couteau sur le dos de l'enfant, voilà. Donc, du coup, ça ne sert à rien, en fait, de rentrer dans cette escalade de violence. Et après, la réaction aussi de dialoguer, de comprendre, oui, mais t'as un TDAH, c'est difficile pour toi, et tout ça, mais ça va aussi amener à la soumission du parent, parce que l'enfant va se dire, bon, je peux traiter mon parent comme je veux, hein, et regarde, il me dit que c'est normal parce que c'est difficile pour moi. Donc, dans tous les cas, ça fonctionne pas. Et en fait, devant cette impossibilité de faire face à la violence, ni par la force, ni par la passivité, en fait, il faut autre chose, en fait. Et parce que ces parents ne peuvent pas démissionner. C'est pas des parents qui disent, voilà, quoi. Non. Donc, et du coup, cette méthodologie est basée, on le dit, hein, sur la résistance non violente. C'est le professeur Aïe Momer, qui est professeur de psychologie à l'université de Tel Aviv, qui a commencé à appliquer une doctrine sociopolitique. Hein, c'est Gandhi, hein, qui a commencé à mettre en place carrément la résistance non violente en Inde. Et le professeur Aïe Momer a appliqué cette doctrine sociopolitique en psychologie, en psychothérapie. Donc, en fait, cette méthodologie, c'est une méthodologie qui va avoir comme objectif premier de restaurer la présence parentale. Parce que le parent, on l'a dit, a perdu sa place à la maison au fur et à mesure des années. Donc, et du coup, l'objectif premier, c'est ça.
Et ce rétablissement de la présence parentale va se faire sans avoir recours à la violence. Donc, c'est pour ça que c'est de la résistance non violente. Donc, le parent, ça va s'engager à ne pas être violent lui-même. Et il va s'engager aussi à rester aux côtés de son enfant. Et du coup, il va aussi parler à l'extérieur de ce qui se passe à la maison, chose que l'enfant va pas pouvoir supporter. Donc, en fait, la méthodologie, elle a plusieurs étapes. Donc, il y a, je l'ai dit, hein, des étapes de psychoéducation. Donc, déjà pour comprendre qu'est-ce que c'est que le comportement tyrannique, comprendre et repérer l'hyperaccommodation, dire aux parents que ce n'est pas normal que leur vie tourne tout autour de cet enfant et que c'est pas juste pour dire vous avez le droit de... Non, c'est aussi que c'est pas constructif pour l'enfant. Parce que l'enfant ne peut pas se développer comme cela, en pensant ou en laissant penser à l'enfant quoi que c'est OK d'être violent quand on n'arrive pas à gérer ses émotions avec les personnes qui y sont les plus proches. Donc, en fait, c'est aussi une responsabilité des parents de démontrer à l'enfant qu'il faut faire autrement. Mais on ne peut pas arriver à faire ça ni par la viol ni par la, quand je dis violence, je veux dire par la force, ni par... Voilà, donc la méthode est là pour ça. Donc, voilà, il y a toute cette étape de psychoéducation et de repérer comment on peut rentrer dans les escalades, etc. Et après, une fois qu'on a déjà compris le cadre, le parent va faire une déclaration de non-violence à l'enfant, une déclaration orale et par écrit. Et cette déclaration par écrit va avoir une valeur symbolique de dire à l'enfant... Voilà, la violence n'est plus tolérée dans la maison. La violence nous a rendu la vie insupportable. Et nous, en tant que parents, on va tout faire pour faire sortir la violence de la maison. Et en fait, c'est pas un contrat. C'est juste un acte d'information près de l'enfant, par transparence, du fait qu'à partir de ce jour-là, les choses vont se passer autrement. Donc, le parent s'engage à ne plus être hein, avec l'enfant, ni verbalement, ni d'aucune manière. Et aussi à engager un réseau de soutien. Donc, le réseau de soutien, il a une place centrale dans la méthodologie de résistance non violente. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y aura des violences à la maison, les parents vont parler à l'extérieur. Et ces personnes qui font partie du réseau vont prendre attache avec l'enfant pour leur faire savoir qu'ils savent, en fait. En fait, le but du réseau de soutien, c'est pas de dire à l'enfant, t'as pas honte, bébé, tu fais n'importe quoi, mais pas du tout, c'est pas jugeant. C'est juste le faire savoir qu'ils savent, qu'ils sont au courant. Parce que ces enfants, on l'a dit, sont très sensibles au regard social. Et sur la durée, le fait d'être exposé à ce regard social va amener à l'enfant, petit à petit, au fait qu'il va devoir trouver d'autres façons de fonctionner. Parce qu'il va se sentir dans un inconfort il va pas être content, en fait, que ces violences soient connues de l'extérieur. Donc après, il y a autre chose importante dans la méthodologie, c'est de ne jamais réagir à chaud. Donc quand l'enfant vient insulter, vient frapper, vient voilà, l'enfant va, la parent va se retirer, va quitter la maison. Il y a différentes choses qui peuvent être faites. On peut appeler aussi des personnes du réseau parce que souvent quand il y a une tierce personne, pouf, tout s'arrête. Mais on peut aussi, voilà, partir parce que la crise a besoin d'un public et quand il y a personne, voilà, il n'y a pas d'intérêt de faire une crise. Donc, il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés pour la gestion de la crise et ça, c'est appris aussi lors de la méthodologie. Donc, on va jamais réagir à chaud, on va essayer en tout cas, et on va, mais ça, c'est la partie résistante, la partie non-violence, pardon. Mais après, il y a la partie résistance qu'il faut aussi mettre en place, c'est-à-dire on va venir réagir à froid, on va décaler la réponse. C'est pas qu'on réagit pas et qu'après on laisse glisser, c'est pas ça, parce que sinon l'enfant peut penser qu'il peut tout faire de toute façon, le parent va pas avoir une réaction. Non, on va revenir plus tard. Et en fait, plus tard, on peut mettre en place, par exemple, des sit-ins, on peut venir avec un membre du réseau. Voilà, ça peut prendre plusieurs formes et on va faire voir à l'enfant que son voilà que la violence encore une fois n'est pas acceptée et on va lui demander qu'est-ce qu'il propose comme solution pour que la prochaine fois ça se passe différemment. Évidemment, il va rien proposer, surtout au début, mais ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de rentrer dans une autre façon de faire,
on réagit plus à chaud, on fait rentrer des tierces personnes à la maison, on parle à l'extérieur. Et ça, l'inconfort associé à ces changements de positionnement parental, le fait que le parent soit plus disponible pour l'enfant, pour qu'il puisse déverser ses émotions, le fait de parler à l'extérieur, peu à peu, évidemment, c'est pas magique, c'est pas une fois, c'est sur la durée. De la même manière qu'il y a une dynamique pour que les comportements tyranniques s'installent, il y a une dynamique aussi pour défaire le processus, mais c'est efficace. Et nous, on peut dire que vraiment, la mise en place de cette méthodologie, malgré les difficultés, permet aux parents de reprendre voilà, la main à la maison et d'échanger un peu la donne. Parfois, ça va passer les réseaux de soutien, mais ça va être appeler les SAMU, appeler les gendarmes, aller aux urgences. Voilà, il y a tout ça aussi, hein. Mais quand on se tient à ça et quand l'enfant a compris que c'est à lui d'échanger parce que le parent ne changera pas, parce qu'il a fait cette déclaration et qu'il s'y tient, on voit des effets franchement surprenants. Il faut juste donner l'opportunité à l'enfant de faire autrement. Il faut juste. En tout cas, ça passe par là, quoi. Ça viendra jamais de l'enfant tout seul si le parent reste dans la même position. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, pour le coup, on a beaucoup de données quand même. Non, Donc, mais c'est super intéressant justement que tu présentes ça aussi encore une fois comme une dynamique, pas comme je veux dire un outil miracle qui change tout du jour au lendemain. Bien sûr que non, ça va demander évidemment des efforts, ça va demander ben, un réseau effectivement sur lequel on peut s'appuyer, donc de travailler aussi sur le regard de l'autre, hein, parce que c'est vrai que parfois c'est difficile le regard des personnes qui sont autour, puisque tu le mentionnais au début, ben, c'est un petit peu comme dans les troubles d'opposition léger, quoi. Ça se passe surtout à la maison et en dehors. Les gens se disent, mais, enfin, ce que vous nous dites là, ça représente pas du tout l'enfant que nous on connaît, quoi. Et les parents, en fait, ils se sentent mal à l'aise, justement, par rapport à cette situation-là. Donc, c'est intéressant de le montrer comme une dynamique, justement, qui change pas tout, encore une fois, du jour au lendemain, mais qui s'inscrit aussi dans quelque chose de, justement, dans le temps aussi. Et en même temps, je trouve que c'est extrêmement aussi intéressant que tu puisses mentionner que ça ne change, c'est pas un remède miracle, ça change pas tout non plus. Et ça aussi, c'est un petit peu, ben, moi aussi, quand je parle notamment, moi je suis plutôt sur le format Barclay, donc on est vraiment plus sur les troubles d'opposition dans ce cadre-là, mais je dis toujours aussi que, ben oui, ça va pas tout changer en fait. Il restera en fait des choses à travailler. Il restera encore des éléments, mais qu'on pourra travailler autrement. Mais si déjà ça, on arrive en fait à vous redonner la main à un moment donné sur la gestion des comportements de votre enfant, en fait, on aura des choses à un moment donné où ça va s'apaiser partiellement pour pouvoir entamer un autre travail derrière et ainsi de suite. Et donc c'est ça qui est intéressant parce que j'ai toujours un peu l'impression aujourd'hui que quand on parle, comme tu disais, l'association React, enfin, elle a 5 ans en fait, c'est ça, elle a 4 ans, elle a 4 ans. Donc, en fait, c'est tout nouveau et ainsi de suite. Et c'est vrai que moi, quand j'entends parfois des méthodologies comme ça qui pop un peu sur Internet où tu vois des gens qui débarquent avec des expressions comme ça, j'ai toujours ce petit cliché des fois de gens qui ils vous disent qu'ils vont tout gérer, qu'ils vont tout régler, que ça va changer leur vie, et ainsi de suite. Moi, je pense fondamentalement que ce type d'approche change la vie des parents, mais peut-être pas dans un contexte miraculeux comme des fois on essaie de le véhiculer du point de vue marketing. Et je trouve justement que cette approche, bah déjà, elle est basée sur des données à un moment donné. C'est pas tiré d'un chapeau comme ça. Et puis derrière, bah, au moins, elle a ce regard à la fois bah, d'évolution, d'amener cette dynamique, de dire que ça sera pas facile. Et ça, déjà, c'est important de mentionner pour les parents justement qui sont en difficulté, de dire que ce ne sont pas des méthodologies encore qui sont faciles à suivre, mais par contre, elles amènent un changement. Il ne faut pas attendre un miracle, ce n'est pas la petite maison à la prairie, mais par contre, évidemment, il y a un vrai changement qui s'opère. Et ça, je trouve que c'est important. Personnellement, d'expérience, pour vous dire, toutes les personnes, en fait, que moi j'ai pu accompagner, elles sont toutes capables de vous dire que les choses ont changé. Pas de manière miraculeuse, mais qu'il y a des choses qui ont changé, qu'il y a des choses qui, à un moment donné, ont bougé quand même de leur façon, ne fût-ce que d'observer leur enfant, de se positionner dans la famille. Et donc je trouve que c'est déjà super intéressant de voir que c'est le même la même réflexion aujourd'hui quand on parle de React, parce que elle est dans la lignée au final des programmes d'entraînement aux habiletés parentales et qu'on a une nouvelle façon de faire par rapport à des comportements qui sont assez spécifiques, quand même justement comme tu le décrivais.
Ok, donc on voit qu'il y a pas mal de personnes. Alors Elisabeth, elle dit j'aime bien le nom, la résistance non violente, d'accord? Et elle se demandait si c'était les mêmes principes que la communication non violente. Non, pas du tout. Donc. Non, 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 non. Là, la communication non violente, on est un peu, voilà, dans les trucs, on va devenir bienveillant avec l'enfant, parce qu'il faut comprendre l'enfant. Là, on n'est pas du tout là. Là, ça peut paraître un peu dur, entre guillemets, mais là, c'est le parent qui prend, en fait, je l'ai pas dit au début, c'est peut-être important de le signaler aussi, ces enfants sont pas du tout motivés par les soins. Ni, c'est jamais de leur faute, c'est la faute aux parents, donc ils veulent rien savoir de tout ça. Par contre, le parent, il est très motivé pour un changement. C'est pour ça que nous, on conseille toujours aux parents de commencer par la guidance. Bien sûr que le diagnostic est important, bien sûr qu'il est indispensable pour identifier les difficultés et adapter la prise en charge. Mais dans notre problématique spécifique, ce n'est pas la priorité, parce que l'enfant, au début, avant que les parents aient changé leur positionnement, ne sera pas disposé ni pour les soins, ni pour changer, ni rien, parce que tant que les parents sont là pour faire office encore une fois de punching-ball, mais l'enfant n'a pas, mais n'a aucun intérêt à changer. Donc, en fait, c'est pour dire que la méthode va profiter de la motivation pour le changement des parents pour faire un peu, pour être moteur en fait du changement. C'est les parents qui seront moteurs du changement et pas l'enfant. Donc, du coup, en fait, par rapport à ce que tu disais de ce ne pas miraculeux aussi, si c'était si facile que ça, tous les parents auraient trouvé. Hein. Nous, on n'est pas plus malins que les autres. Hein. Et ça, je veux dire, c'est très clair. Et, donc, en fait, ce que permet la méthode, en fait, c'est de pouvoir justement pour ces enfants qui sont en refus des soins, qui sont en refus de tout, qui font parfois de la thérapie achetée. Je vais chez le psy, si tu me donnes, je sais pas quoi. Voilà, ça, c'est pas du tout efficace parce que tant que l'enfant n'a pas la motivation, ben du coup, ça sert à rien de faire une TCC si l'enfant n'a rien à faire de la TCC, Tout à fait. n'a pas une conscience de ses difficultés, de tout ça. Donc, en fait, c'est cet inconfort qui va générer chez l'enfant. Parce que le parent n'est plus disponible pour lui, il est disponible pour lui, il est présent pour lui, mais il n'est pas disponible pour être punching ball, encore une fois, pour être l'exutoire de l'enfant, quoi. Donc, du coup, l'enfant va se retrouver dans cet inconfort. Il faut dire aussi, et ça c'est important pour le côté, c'est pas miraculeux, au début, quand on commence à mettre en place la méthodologie, l'enfant peut redoubler de violence. Et ça va décourager les parents, il faut le savoir. Parce que l'enfant va se sentir déstabilisé dans sa place à la maison. Il est, du coup, ce changement de positionnement de ses parents va un peu le surprendre. Il va tout faire pour que les parents reviennent aux anciennes habitudes. Donc, il va encore pousser le bouchon encore plus loin, quoi. Donc, ça, il faut le savoir qu'au début, ça peut avoir cet effet. Et c'est en ça qu'on peut se dire il faut tenir. Et voilà, donc par rapport aussi, tu disais tout à l'heure, la résistance non violente quand même, oui, il y a beaucoup de publications hein, scientifiques aussi non seulement des IMOMER, mais ça a été mis en place dans différents pays, et ça, c'est tout à fait démontré, et ça, c'est pas du tout, comment dire, voilà, un truc miracle Ouais, qu'on c'est sort ça. du chapeau, Mais c'est mais ça, ouais. vraiment, C'est c'est vraiment important. basé sur la motivation des parents. Donc l'enfant, comme je disais, on le laisse un peu de côté, pas parce qu'on ne s'intéresse pas à lui, mais voilà, c'est pas la communication non violente dans le sens où oh mon pauvre, oui, je vais devenir bienveillant parce que ça va. Non, non. Au contraire, c'est une méthode qui se met en place quand les paroles ont cessé de fonctionner. On n'est pas du tout dans la communication là. On arrête, on s'était pendant les crises, on ne dit plus rien du tout. Et Oui, c'est c'est ça. après qu'on revient. Donc, c'est pas du tout Non. ça. La Bien communication, ouais, c'est ça. La communication, elle viendra plus tard, en fait. C'est plus. ça l'idée. C'est d'abord de structurer, vraiment, de restructurer les actions sur des comportements, encore une fois, qui sont
intense, hein, faut pas l'oublier, hein. Et effectivement, la communication n'a plus grand sens avec ses enfants, ses ados à ce moment-là. Mais bien sûr que elle peut venir après, c'est-à-dire que la communication non violente, elle peut se mettre en place beaucoup plus, soit avant, soit après. Mais dans le cas de la résistance, on n'est pas du tout dans cet aspect-là. C'est ça. Je vois des questions notamment qui sont peut-être un peu plus ciblées du quotidien de personnes qui sont confrontées justement à ça. Et donc, on a des questions par exemple, justement ici de Sonali qui nous dit, mais en fait, comment faire au final quand, même quand on sort de sa chambre par exemple et que l'enfant nous suit partout, il parle, il crie, il tape aux portes, ben en fait, en tant que parent, je sature évidemment, et je suis bloqué physiquement, c'est difficile de ne pas craquer. Et Sophie nous dit, mais voilà, pareil, quand on veut lui prendre par exemple son ordinateur, bah, il va nous agripper, il va nous taper, il va nous poursuivre, il va nous harceler, nous insulter. Et au final, bah, comment faire dans ces situations-là? Oui, tout à fait. Oui, c'est le quotidien des parents avec un enfant comme ça. Et c'est sûr, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. On n'est pas là pour dire, il faut faites ça et ça va marcher tout à merveille. C'est pas ça. En fait, c'est vraiment s'attacher. Je ne sais pas si ces personnes qui posent des questions ont fait déjà un programme de guidance. Si c'est pas le cas, pour moi, honnêtement, la première chose, c'est de faire ça. Vraiment. S'intéresser à cette méthodologie et essayer de la mettre en place. Et encore une fois, c'est sur le temps. Alors, quand on est dans la crise, en fait, c'est tous aux abris, c'est on se retire parce qu'on l'a dit, hein, la crise a besoin d'un public. Soit on se retire, soit on appelle un membre du réseau, soit et après on revient sur le fait. Qui s'est produit la violence. Alors, quand ça va très très loin et que les parents sont en insécurité, que l'enfant est en insécurité aussi, parce que ces enfants, il faut savoir, hein, ils peuvent prendre un couteau, ils peuvent. Voilà, donc ça peut devenir très dangereux. Et parfois, c'est très dangereux. Et pour la fratrie aussi. Donc là, il faut appeler les secours. Et là, il faut aussi, quand on fait un programme de guidance, il y a la lettre d'urgence. Parce que forcément, hein, quand les secours arrivent, l'enfant va être plus cool que les. Voilà, ils vont rien voir. Donc, par contre, avec la lettre d'urgence, une lettre faite par un professionnel de santé qui va expliquer qu'est-ce que c'est le comportement de panique, que l'enfant à l'arrivée des secours sera calme, qu'il faut quand même le prendre en charge, etc. Donc, en fait, le comment faire, je dirais, il n'y a pas une réponse unique à ça. Ça dépend vraiment des spécificités de l'enfant aussi. Si l'enfant est très sensible au regard social, mais du coup, appeler quelqu'un, faire venir quelqu'un. Et parfois, c'est même pas physique, hein, le fait juste d'appeler, ça en effet, parce que l'enfant, pas que ça soit su, donc et du coup, ça peut fonctionner. Si malgré ça, l'enfant monte en puissance, ben, c'est partir. Et si c'est trop dangereux, ben, c'est appeler le secours. Et après, une fois que la crise est passée, c'est revenir sur ce qui s'est passé, à froid, pour seul ou accompagné par les réseaux, par des membres du réseau, pour revoir ce qui s'est passé. Et c'est cette action en continu sur la durée qui vont, voilà, qui vont être positives pour l'évolution. Après, quand c'est du quotidien tout le temps que les parents sont épuisés, parce qu'il faut, voilà, ça, on peut pas vivre comme ça tous les jours à H24, on sait bien ce que c'est, mais parfois, il faut mettre en place, si malgré tout ça, comme on a dit tout à l'heure, ça continue d'être comme ça, mettre en place des mesures peut-être d'éloignement. C'est pas, il n'y a pas que le placement, l'éloignement peut prendre différentes formes, ça peut être à l'internat. Donc, ça peut être aller chez papy-mamie, ça peut être chez la famille, dans les parents, quand les parents sont séparés, chez l'autre parent, parce que souvent, hein, ça, on le voit beaucoup, avec l'autre parent, parfois, ça se passe mieux. Donc, voilà, ça peut prendre plusieurs formes, mais en fait, il faut pas voir l'éloignement comme une manière de, je sais pas, de se débarrasser de l'enfant, c'est pas du tout ça. C'est vraiment donner l'opportunité à l'enfant, quand il est à l'extérieur, de faire autrement. Parce que l'enfant, quand il est à l'extérieur, les troubles sont toujours là. Hein. Il faut pas penser que parce qu'il est à l'extérieur et qu'il se comporte bien, que voilà, qu'il est plus un TDAH, qu'il a plus un TOC, les troubles continuent d'être là. Mais comme il peut pas se permettre d'exploser à l'extérieur comme il le fait à la maison,
tout ce temps que l'enfant passe à l'extérieur, c'est du temps qu'il passe à chercher comment faire autrement. Et ça, sur la durée, encore une fois, c'est positif pour l'enfant en premier lieu. Donc voilà, les parents culpabilisent beaucoup, et c'est normal parce qu'on ne fait pas nos enfants pour s'en séparer, c'est comme ça. Mais il faut savoir que l'éloignement, parfois, ou très souvent, chez ces enfants, c'est thérapeutique. Donc voilà, pour répondre à ces questions, il n'y a pas une réponse unique, parce qu'encore une fois, je suis sûre que ses parents l'auraient trouvé tout seul. Voilà, mais il y a différents outils qui peuvent être mis en place et qui, sur la durée, font avancer les situations vers des situations un peu plus apaisées, en tout cas. Mais oui, c'est super intéressant justement de rappeler cet aspect de ben c'est pas unique, c'est aussi quelque chose qui va se mettre en place dans le temps, qui est aussi analysé justement, puisque évidemment chaque comportement ben, va avoir une place particulière, d'essayer de comprendre comment ça se manifeste aussi. Et ça fait partie justement ben, du travail qui est fait dans l'accompagnement, de la résistance non violente, d'apprendre aussi ces techniques petit à petit. Parce que juste, effectivement, juste vous dire, ben voilà, faut quitter la situation et vous allez voir ou appeler quelqu'un. Oui, c'est une première indication, mais il faut bien comprendre que c'est un outil, c'est une explication qui est intégrée au sein, ben, d'un programme complet d'accompagnement, justement, et qui va être accompagné, qui va partir, ben, pour le rappeler, hein, de la psychoéducation, d'essayer de comprendre ces notions, justement, de comportement tyrannique, qu'est-ce que c'est, de comprendre effectivement comment on en est arrivé là, parce que je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est de comprendre le mécanisme qui nous a poussé jusque-là, justement, pour être capable, à un moment donné, de pouvoir faire justement cette inversion et reprendre sa place en tant que parent. Je vois un petit peu l'heure avancer et je me dis que bah, ça serait plutôt pas mal justement dans ce cadre où bah, on a des parents justement ici qui se posent pas mal de questions sur bah, oui, quelles sont les techniques, qu'est-ce que je peux faire dans ce cadre-là et ainsi de suite. Bah, au final, comment l'association React aujourd'hui peut aider bah, à la fois, justement on en parlait juste avant le live ensemble, à la fois des parents mais également des professionnels, parce que je sais qu'il y a des professionnels aussi qui regardent les vidéos, qui suivent les lives, mais des professionnels aussi à éventuellement bah, soit se former à ce cadre-là, soit à pouvoir réorienter vers un réseau de professionnels qui aujourd'hui sont formés à la question. Oui, alors voilà, on mène vraiment deux axes en parallèle, on essaye en tout cas. Donc pour ce qui est des familles, voilà, notre but principal, c'est de les soutenir, parce que c'est pas du tout facile, de les accompagner et de proposer un espace où elles peuvent se réunir, se sentir comprises surtout, parce que voilà, c'est le fait que ça soit pas vu de l'extérieur, etc., c'est très difficile pour ces familles de ne pas être crues, parfois même, malgré toutes les difficultés qu'elles traversent au quotidien, et donc pas crues, pas soutenues, quoi. Donc, du coup, et même jugées. Mais avec moi, ça se passe très bien. Ça doit être toi que tu sais pas te prendre avec ton fils, parce que bon, avec moi, il est juste adorable. Et ça, à longueur de journée, tout le temps, et ses parents vont demander de l'aide et ont que ça comme réponse, mais forcément, c'est usant sur, voilà, sur la durée. Donc, l'association est là pour ça, pour dire, nous, on sait ce que vous vivez, nous, on vous comprend, et nous, on vous jugera pas. On sait que ses parents ont le droit de craquer aussi, voilà, on est juste des êtres humains. Et nous, on comprend ce qu'ils vivent. Donc, nous, on propose aux parents, une réunion mensuelle, qui est ouverte à tous, parce que nous, on a des parents membres dans tous les départements français, mais bon, pas dans toutes les régions en tout cas, mais même à l'étranger, dans une douzaine de pays à l'étranger, en Outre-mer aussi. Donc, ces familles, forcément, on ne peut pas les réunir tous les mois. Donc, on fait ça en visio. Ces réunions, les thèmes sont très variés. Ça peut être juste des réunions d'échange entre parents pour justement partager nos expériences, revenir. Ça, c'est vraiment quasiment à toutes les réunions. On revient toujours sur les outils. On traite vraiment ces questions. Comment je peux faire dans telle situation? Je n'ai pas réussi à appeler le réseau. Bon, on comprend bien sûr les difficultés parce que nous-mêmes, nous sommes parents de la mise en place de la méthode. Donc, on discute beaucoup autour de ça. Mais à ces réunions, on invite aussi des professionnels, souvent, qui viennent nous présenter différentes choses, ça peut, mais toujours en relation, bien sûr, avec la problématique. Après, au niveau
de notre site internet, il y a un espace membre où petit à petit, on travaille pour l'alimenter au fur et à mesure. Donc, il y a une bibliothèque, il y a des documents référentiels qu'on a élaborés bénévolement. Le bureau élabore ces documents sur les troubles, le parcours diagnostique, la reconnaissance MDPA, je ne sais pas, plein des aspects différents. On propose aussi aux parents, dans la mesure du possible, parce qu'on est des parents bénévoles, un accompagnement personnalisé dans leurs difficultés, c'est-à-dire en particulier pour les parents qui ont affaire avec les services sociaux ou avec la justice, les parents qui doivent passer devant le juge des enfants. Et parfois ou même souvent, ils ne sont pas tout à fait compris. Donc, on peut voilà, prendre un temps au téléphone, on le fait souvent avec ses parents pour essayer de partager les expériences des parents pour lesquelles ça. Il y a des choses qui ont pu fonctionner. L'association peut rédiger aussi une lettre, pour expliquer qu'est-ce que c'est le comportement tyrannique, surtout pour que le parent ne soit pas seul face à ses professionnels, que ces professionnels puissent voir qu'il y a quand même une association derrière, même si on est encore bébé par rapport à d'autres associations, mais voilà, qu'ils ne sont pas seuls, ça c'est très important. Et aussi, on a un groupe Facebook qui est fermé, réservé aux adhérents. Pourquoi il est réservé? Parce que, vous l'avez compris, c'est une problématique taboue, mal comprise, et on sait bien comment les choses se déroulent dans les réseaux sociaux, et on voudrait pas que nos parents membres, qui sont déjà assez jugés, parfois, voilà, pas compris, etc., reçoivent des commentaires des personnes mal informées, en fait, qui, voilà, qui puissent, parfois, s'exprimer de façon un peu déplacée. Du coup, c'est pour cela que le groupe est réservé. La raison est là. Et du coup, le groupe permet en fait les échanges entre parents, entre deux réunions, échange d'informations, justement seulement vider son sac, parfois c'est utile. Voilà. Donc voilà, le groupe sert à ça. Et on a aussi en 2023 le projet, c'est que ça commence à se développer petit à petit à la demande des parents et grâce aussi aux parents qui se porte bénévole dans d'autres départements en France, parce que l'association, je l'ai dit au début, est née à Toulouse, même si nous sommes une association nationale, mais des parents qui se proposent pour animer des réunions en local. Donc, et on est en train de mettre ça en place, parce que ces parents peuvent faire partie du réseau, par exemple, d'autres parents. Voilà. Donc, du coup, on est en train de travailler sur une charte des bénévolats, voilà. Sur la mise en place de ces réunions en local. Et nous-mêmes, le bureau, voilà, cette année, on a commencé à penser que ce serait intéressant, comme on a beaucoup d'adhérents dans d'autres régions, peut-être à faire aussi les réunions mensuelles en local, non seulement à Toulouse, mais dans d'autres régions. Donc, par exemple, au mois d'avril, on va faire notre réunion à Paris, en région parisienne. Après, ça sera ouvert en visio pour tout le monde, comme toujours. Mais voilà, on a aussi cette idée de peut-être faire des réunions un peu dans d'autres départements, dans d'autres régions. Donc voilà pour les parents. Après, pour le volet professionnel, donc voilà, comme je disais au début, on sait très bien qu'on ne peut pas avancer seul en tant que parent, même si le soutien aux parents est très important, mais ça suffit pas. Et parce que ces parents ont besoin vraiment de professionnels qui puissent comprendre ce qu'ils vivent à la maison. Et donc venir à l'aide de ces familles. Donc voilà, je disais, on a travaillé pour et on continue de créer ce réseau qui comprend des professionnels, comme on disait tout à l'heure, pas seulement de psychiatres, de psychologues, mais aussi des professionnels des travailleurs sociaux, du monde de la justice. Donc, en fait, nous, on intervient auprès des différents services quand ils des personnes en font la demande, que ce soit des services sociaux, on fait des conférences, des webinaires. Nous, on va partout. Hein. Quand on nous propose, voilà, on est très engagé dans des actions de communication parce que c'est vraiment la seule manière de faire connaître et reconnaître donc la problématique. Donc, on peut le fait souvent, voilà, intervenir auprès des différents professionnels. On peut aussi diriger les professionnels vers des formations sur la résistance non violente destinée aux professionnels, parce que voilà, il faut distinguer la guidance parentale qui est destinée aux parents qui sont confrontés au comportement tyrannique de leur enfant, des
de la formation qui est proposée aux professionnels pour qu'eux-mêmes puissent accompagner les parents. Donc, et du coup, tous les professionnels qui souhaitent se former peuvent aussi prendre tâche avec nous. On pourra leur diriger vers des professionnels qui forment d'autres professionnels et vers des documents ou autres qui parlent de la résistance non violente. Après, on intervient aussi en tant que père aidant auprès de certains professionnels, des groupes de guidance, etc., pour proposer en fait la vision pratique de la mise en place des outils qui est complémentaire à la vision un peu théorique des professionnels qui vont expliquer les outils mais qui n'ont pas eux-mêmes à les mettre en place. On se rend aussi disponible pour les professionnels pour échanger. Souvent, par exemple, il y a, je sais pas, des références qui nous appellent pour dire, j'ai cette situation, est-ce que vous pouvez m'éclairer par rapport à. On peut toujours, on le fait avec plaisir, hein, on se met à leur disposition pour essayer d'apporter un éclairage si on peut le faire. Hein. Et on a aussi à cœur de développer ce réseau. Et depuis 3 ans maintenant, on organise une rencontre annuelle des professionnels qui sont en lien avec notre association et qui souhaitent se réunir. Donc la rencontre de 2023 aura lieu le 24 juin. Elle sera accessible en présentiel en région toulousaine. Mais elle est accessible à tous en visioconférence. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller soit sur notre site web, soit sur notre page Facebook. Il y a toutes les informations. Vous pouvez nous contacter par mail. Voilà, on partagera les informations avec plaisir. Voilà, un peu pour les actions. Mais je pense que c'est déjà pas mal, hein. Il y a quand même pas mal de choses entre les réunions pour les professionnels, les actions, la pérédance, l'aide pour les parents, de gérer aussi la question des demandes que vous allez recevoir des professionnels. Évidemment, ça fait déjà pas mal de travail pour des bénévoles. Donc, On est bien occupé, je voilà. confirme. Donc, je pense qu'effectivement, c'est plutôt pas mal comme différentes actions justement qui sont proposées aujourd'hui. Je vais regarder un petit peu les dernières questions. Il y a Véronique qui demande jusqu'à quel âge en fait React peut-il aider des parents d'enfants adultes? En fait, comme je disais, l'âge de nos parents membres va, des enfants de nos parents membres va de 2 ans à 34 ans. Il n'y a pas un âge pour appliquer la résistance non violente. On peut même l'appliquer au travail. Hein. Nous, quand on a compris la dynamique, en fait, quand on a, je sais pas, un collègue qui est un peu violent, on va dire, on peut aussi appliquer la méthode. Donc, il n'y a pas un âge. Forcément, le plus tôt on commence, le mieux c'est, dans le sens où, justement, la dynamique n'a pas eu aussi longtemps pour se mettre en place. Donc, ça va logiquement prendre peut-être un peu moins de temps à se défaire. Mais il faut dire aussi que c'est jamais trop tard et qu'on a des parents de jeunes adultes, hein, des enfants, de, voilà, de 20 ans, qui appliquent la méthode et pour qui ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, c'est aussi pour ne pas décourager les parents qui découvrent la méthodologie, l'association, le travail fait par différents professionnels quand leur enfant, voilà, n'est plus un petit enfant, c'est jamais trop tard. Et de la même manière, ne pas décourager les parents des petits, des tout petits, qui regardent parfois avec appréhension le devenir de certains enfants. Mais justement parce que, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de prise en charge adaptée. Donc, et du coup, ça a mal évolué, ça a mal tourné. Tant mieux si on découvre ça assez tôt pour pouvoir repérer l'hyperaccommodation et pour ne pas tomber dans les pièges que dont certains parents ont tombé du fait de ne pas connaître, voilà, que là où ils mettaient les pieds, un peu, entre guillemets, quoi. Donc, voilà, il y a toujours un espoir pour les parents d'enfants de tout âge, en fait. Donc ça, et ça c'est super important effectivement. Plus tôt on le fait, mieux c'est, mais il est jamais trop tard et ça il faut jamais l'oublier dans ce cadre-là.
J'ai une question aussi, c'est comment s'inscrire pour participer à la session d'avril? On passe par le site ou... La session d'avril, c'est la réunion mensuelle du Ouais. mois d'avril. Ouais. Alors, les réunions mensuelles sont réservées aux membres adhérents de l'association. Donc, si vous souhaitez participer à nos réunions mensuelles, pareil, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse qui est indiquée sur notre site, mais que je peux vous dire là, c'est asop.react@gmail.com. Donc, asop avec le C, .react@gmail.com. Et nous, on vous envoie par la suite toutes les informations de l'association. On vous envoie le lien vers un questionnaire. Parce qu'en fait, notre but, c'est pas de faire des adhérents pour faire des adhérents, loin de ça. C'est vraiment de venir à l'aide des parents qui sont spécifiquement confrontés à cette problématique. Donc, le questionnaire a par but de permettre aux parents de déjà se repérer, de savoir si probablement ils sont dans la problématique. Encore une fois, ce n'est pas un diagnostic, mais il y a de traits de comportement qui peuvent indiquer qu'en effet, il s'agit de cela, ou et surtout aussi les fameuses cinq questions, etc. Donc, on propose ce questionnaire, et quand on reçoit le questionnaire rempli, par la suite, si le parent le souhaite, on peut envoyer les modalités d'adhésion. Voilà. Ok. Donc, c'est notre mode de fonctionnement. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Parfait. Il y a aussi le formulaire, je ne l'ai pas dit, pardon, le formulaire des contacts sur le site internet, directement là. Le mail nous arrive direct. Ok, parfait. Donc n'hésitez pas à passer par le site. Je vous l'ai remis à plusieurs moments dans le chat. Donc n'hésitez pas. J'ai une question aussi de Brenda par rapport à l'intervention de juin 2023, donc de la journée. C'est est-ce qu'il y aura un replay en fait parce que Brenda sera dans l'avion? Oui, alors. Alors, la rencontre du 24, elle est, par contre, juste une précision, elle est aussi accessible cette année aux non-membres avec une participation financière. Donc, jusqu'à là, elle était réservée aux membres. Cette année, elle est aussi accessible aux non-membres. Pour les replays, en fait, nous, ce qu'on a fait jusqu'à présent, on enregistre les interventions des professionnels. Et après, on les diffuse dans notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez déjà consulter les interventions de 2 années précédentes. Et après, ce qu'on partage pas sur nos réseaux, c'est la table ronde ou les questions-réponses. Cette partie, elle n'est pas rediffusée, mais il y a un replay des interventions des professionnels. Ok, super, parfait. Mais écoutez, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cette intervention. Donc n'hésitez pas s'il vous reste des questions pour Susanna et justement cette intervention. Mais en tout cas, je tiens déjà, avant de voir ça, c'est te remercier énormément pour cette présentation qui est claire, précise sur ce que c'est un comportement tyrannique, l'implication que ça a dans les familles aujourd'hui, et surtout sur l'accompagnement au final que l'association va proposer à la fois aux parents mais aussi aux professionnels. Et aujourd'hui, on voit aussi que c'est quelque chose qui vous pilote, hein, comme beaucoup d'associations, on sait, mais on sent aussi la passion et la création qui est derrière aussi de ce besoin aujourd'hui de terrain auquel au final on n'avait pas encore spécialement beaucoup de réponses au-delà de l'aspect. Psychiatrique à l'ancienne, hein, sur ces aspects-là. Donc aujourd'hui, effectivement, moi, je suis un grand défenseur de l'accompagnement des parents qui sont vraiment en demande justement d'accompagnement. Et donc c'est pour ça aussi que j'étais très très content évidemment de te recevoir pour venir présenter tout ça et de voir que ça répond aussi à des demandes de parents, puisque je vois effectivement dans le chat pas mal de gens qui te remercient aussi de cette intervention et qui a permis aussi, au travers des conseils, des lumières, de l'éclairage que tu as pu apporter, aussi leur faire peut-être commencer une démarche aussi dans leur tête éventuellement pour se dire, ok, vers quoi on va pouvoir aller petit à petit. Donc, évidemment, un tout grand merci pour ça. Je sais pas si tu as un petit mot de la fin pour les parents qui sont là, pour l'association, pour justement quoi que ce soit, s'il y a d'autres projets que vous avez en tête et que vous aurez envie de développer, vous avez besoin d'aide aussi éventuellement, n'hésitez pas, c'est le moment justement. N'hésite pas à donner ce mot de la fin.
Et un mot de la fin, je dirais surtout aux parents qui puissent se sentir reconnus dans ce qu'on a discuté aujourd'hui, ben, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'il ne faut pas rester isolé, parce que cette problématique isole beaucoup les parents du fait de la honte qui est associée, du fait que ils comprennent pas pourquoi ils vivent ça. Ils comprennent pas au début, hein, quand on découvre, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'on a mal fait. Pourquoi on a ce quotidien qui est juste invivable. Donc, leur dire qu'il y a d'autres familles qui vivent la même chose, leur dire que voilà, qu'ils sont pas seuls et qu'il y a un espoir que ça aille mieux et que l'association a été créée et travaille pour voilà, pour accompagner ses parents. Et s'il y a des professionnels voilà qui nous écoutent et qui sont intéressés par cette problématique, on est aussi à leur disposition, que ça soit pour faire des interventions, que ça soit pour répondre à des questions. Voilà, nous, notre esprit, elle est vraiment collaboratif auprès de de tous les professionnels. Donc, on est vraiment à leur disposition et comme on dit dans l'association, on avance ensemble. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup, aussi bien pour les parents que pour les professionnels. Donc, je te remercie aussi beaucoup, Sébastien, parce qu'on sait bien combien c'est important de pouvoir compter sur le soutien des professionnels pour continuer d'avancer et d'aider ces familles qui sont dans la difficulté. Donc, un grand merci. Ben, avec grand plaisir. Bien, écoute, je te propose qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion justement, ben, éventuellement, de se recroiser s'il y a des nouvelles choses qui interviennent justement dans l'association. Comme ça, on peut se reprendre aussi un temps avec les parents, faire des questions-réponses plus spécifiques autour justement des comportements tyranniques. Pour les personnes qui sont encore dans le chat, ben, un tout grand merci d'avoir assisté évidemment à cette session. Donc l'objectif, encore une fois, vous l'avez bien compris, c'est d'essayer de faire, ben, connaître encore plus, ben, les associations, les interventions, tout ce qui peut aider aujourd'hui, aussi bien les parents que les professionnels, autour du TDAH et de ce qui est associé. Ici, clairement, le comportement tyrannique est quelque chose qu'on va retrouver, évidemment. Donc merci à tous et de continuer à faire vivre cette page et de partager justement toutes ces informations. Ben, j'aurai le plaisir justement d'intervenir puisqu'on m'a gentiment invité au mois de juin justement sur la question du TDAH avec l'association. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi parce que je vais justement parler de tout ce qui est mythe qui vient un peu entraver à la fois le diagnostic mais aussi la prise en charge des personnes, des enfants, des ados et des adultes qui ont un TDAH. Donc bah, ça sera l'objectif bah, de revoir un petit peu ça et de participer, de retravailler justement ensemble sur ces questions. Donc encore un grand merci pour cette invitation évidemment. Et mais pour tout le monde, on se retrouve tout bientôt. J'ai plus en tête ma prochaine intervention. Je sais que ce week-end, grâce à la grève des trains, ouais, si vous êtes intéressé, dimanche, je fais un live de 10 à 12. Je fais un question-réponse, parce que normalement je devais être en déplacement, mais au final ça se fera pas. Donc, bon, on va en profiter. Je vais reprendre, puisque ça fait à peu près, enfin, 2-3 semaines qu'on n'en a pas fait. Donc, on se refera un petit question-réponse dimanche sur justement le TDAH et ce qui tourne autour. Donc, n'hésitez pas. Et ben sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Encore un tout grand merci, Susanna. Et donc, ben, à tout bientôt. À tout le monde. Allez alors, bonne soirée à tous. Ciao. Merci Sébastien, à bientôt. Avec plaisir.